Rose, introduction à la communication, au travail, à la guérison avec les anges. Qui sont les anges? Ils sont dépourvus d'ego en priorité. Ils en sont dépourvus et ils ont un amour inconditionnel. Il suffit que chacun d'entre nous se mette en relation avec un ange et lui fasse la demande, soit par la prière, par l'écrit, par la parole, par d'autres médias, d'une sollicitation, et vous serez exaucés, et nous serons exaucés. Ils sont non confessionnels et arreligieux. Nous les aimons tous, et c'est vraiment quelque chose, nous pouvons être d'accord, ils nous aiment, et nous les aimons chacun. Dans les traditions, Quatorze. Me bahel. Me bahel. Accorde-nous des pouvoirs pour édifier notre avenir, de la même manière que tu as édifié la merveilleuse machine de l'univers. Me bahel. Gonfle, Seigneur, les voiles de nos sentiments pour que nous puissions ressentir dans notre propre chair la sainte colère de nos frères lorsqu'ils sont humiliés, violés, déchirés par l'injustice. Mébaël. Place-nous, ange Mébaël, à la pointe de la société, afin que nos mots soient l'épée qui brise et mette en pièces tout ce qui est faux ou retors. Mébaël, nous voulons lutter pour des lendemains heureux. Nous voulons être ceux des artisans de la justice. De ta justice, Mébaël. XIX. Le viard. Le via, nettoie, Seigneur, notre mémoire, inconsciente et consciente, nettoie, de tous les éléments polluants. Le via, éloigne de nos frères les images effrayantes, monstrueuses ou libidineuses. Le via, et fais que notre imagination ait un sens, une âme, afin qu'en les exprimant, nos frères humains puissent apercevoir l'univers futur, sans frontières, dans lequel le bonheur resplendissant devra exister. Le bonheur, le via, permet, ange le via, que nous trouvons
notre point d'équilibre entre notre réalité matérielle et notre réalité imaginative pour que nous puissions préparer un monde qui, aujourd'hui, se trouve au-delà de l'humain, le VIA. Ahuyar, 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 ahuyar. A-E-U-A, A-E-U-A, tu es notre ange gardien, sois notre instructeur, notre guide, car sans toi, nous risquons de nous perdre en chemin. Tu nous as fait de telle manière, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous engager dans nos rêves, et même... Pour que nos rêves deviennent réalité, nous pourrons attenter aux lois. A-E-U-I-A. Prends-nous sous ta surveillance et conduis-nous à des situations lumineuses, sans soubresauts, des situations lumineuses, pour que nos pensées soient claires. Et que nous puissions nous comprendre et te comprendre, A-E-I-A, car nous voulons être la pierre d'angle de ton œuvre, utile à nous-mêmes, à notre prochain et à l'œuvre divine, A-E-I-A.